Lorenzo, question 5. Ouais. As-tu déjà ôté la vie ou tiré sur quelqu'un durant tes missions au Gao? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Je suis même super étonné. J'ai sélectionné cette question non pas pour y répondre, parce que je n'y répondrai pas. Et que tu as très peu d'opérateurs, voire aucun opérateur qui répondra à cette question. Mais par contre, j'ai sélectionné pour apporter 2-3 éléments. À cette dernière. C'est que tirer sur quelqu'un ou la tuer. Et tu remarqueras que j'ai utilisé délibérément le terme tuer. N'est pas un acte anodin. Le problème, c'est qu'au XXIe siècle, ce terme ou cette action de tuer est banalisée. Elle est banalisée avec le cinéma. Le héros qui va tuer 50 personnes, qui à l'issue de quoi rentre à la maison, dîne avec sa femme, le grand sourire. Et qui dort comme un bébé. Ou alors les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, qui passent leur temps à se tuer. Je t'ai tué, tu m'as tué, j'en ai tué 15, viens on se tue. Mais on n'est pas dans un jeu vidéo. On n'est pas dans un film. Quand tu tires sur quelqu'un ou que tu lui ôtes la vie, c'est un acte grave qui est lourd de conséquences. Aussi bien pour autrui, mais également personnellement. Et tu sais, il y a cette spécificité, cette philosophie des groupes d'intervention français qui fait d'ailleurs, qui conditionne directement leur manière de s'entraîner, leur manière d'intervenir. Et qui fait que les groupes d'intervention français sont plébiscités dans le monde entier. Et je n'ai pas peur de le dire, ce n'est pas du chauvinisme. Les groupes d'intervention français sont parmi les meilleurs au monde. C'est le respect de la vie. Mais le respect de la vie aussi bien des civils ou des otages, mais également des agresseurs, des forcenés retranchés ou des terroristes. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un tir létal, un tir mortel qui doit être fait, c'est parce que toutes les solutions existantes auront été épuisées. Ce sera l'ultime recours. Ou alors dans le cadre d'une légitime défense express de soi-même ou d'autrui. Donc encore une fois, il y a ce respect de la vie qui est très important. Prends le cas du GIGN lors de la prise d'otage à Marignane. Configuration, c'est un enfer. Je veux dire, dans un avion, tu peux pas avoir une configuration plus compliquée. Mais il y a ce truc, ils ont ce truc. C'est d'ailleurs pour ça que le GIGN a été salué. Cette intervention a été saluée dans le monde entier. Et d'ailleurs, je salue ce travail des collègues du GIGN. C'est encore une fois ce respect de la vie. Enzo, sixième question. Qu'est-ce qui te manque le plus après toutes ces années au groupe? Qu'est-ce qui me manque le plus? Ouais. Il y a des tas de choses qui me manquent. Vous me manquez, les gars. Ce qui me manque le plus, c'est la fraternité. Parce que au-delà d'être des amis chers, ce sont des frères. Ce sont des frères qui couvrent tes arrières. C'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de t'éviter de perdre la vie. Ce sont des frères qui n'hésiteront pas une seule seconde, même au péril de leur vie, à venir te porter secours si t'es dans le mal. Voilà ce que c'est un groupe. Ce groupe, c'était 15 personnalités différentes, 15 caractères différents, mais qui se fondaient en une seule et même entité, le groupe. C'est également cet engagement personnel, cette volonté personnelle qui n'avait que pour unique but de servir le groupe. Et voilà ce qui me manque le plus. C'est cette fraternité et cet engagement au service du groupe. Quel service as-tu intégré après ton départ du GAO? Alors, une fois que j'ai quitté le groupe, vu que j'avais déjà un pied à la DST, j'ai décidé d'explorer l'autre facette des missions allouées à la DGSI, en l'occurrence le renseignement. Donc j'ai été agent de renseignement, donc j'ai troqué ma cagoule contre un ordinateur et le côté intervention pour tout ce qui était analyse. Mais les missions convergeaient toujours dans le même sens. Faire en sorte de prévenir toute entreprise terroriste sur le sol français, faire en sorte que toi, moi, tous les Français, dormions tranquillement, en liberté. Très intéressant. J'ai rencontré des collègues géniaux. D'ailleurs, à ce titre, spécial dédicace à toi, Maréchal Soult, tu te reconnaîtras. Ce fut un honneur de travailler en ta compagnie, mon ami. Merci infiniment. Donc, une fois que j'ai fait mon temps en tant qu'agent de renseignement, je suis retourné en commissariat à la brigade anticriminalité du 93. Et là, il y a une espèce de lassitude qui s'est instaurée. Tu sais, quand on t'a servi le plat de tes rêves, t'as mangé le plat de tes rêves. Demain, je peux te servir des plats délicieux. Ils vont tous paraître fades. Quand t'as goûté le must, le pinacle, tout paraît fade.
Donc, j'ai décidé de faire un break avec la police. Donc, j'ai pris un an de disponibilité pour m'essayer à quelque chose que j'ai toujours voulu faire, c'est de la protection rapprochée. Donc, je me suis servi hein, du CV que je m'étais constitué de par mon passage au groupe et en tant qu'agent de renseignement, également en bac. Hein. Et j'ai postulé dans une très grosse société de protection rapprochée, hein, dont je tairai le nom. Qui est composée de 4 lettres. Et donc, j'ai été retenu. Et le jour où je me suis rendu à cette société, et ça, c'était le comble du hasard, c'est que j'ai croisé Monsieur Louis C, qui est un haut fonctionnaire, un très haut fonctionnaire de la DST, qui a participé d'ailleurs à la création du groupe d'appui opérationnel, qui travaillait pour cette société-là en tant que consultant. Donc, il m'a reconnu, on s'est remémoré les bons souvenirs, et c'était un petit peu de l'ancienne maison dans la société, donc ça faisait du bien. Donc, j'ai tout de suite été envoyé en mission, généralement à l'étranger. Donc, je suis allé au Maroc, en Algérie, plusieurs fois au Koweït, plusieurs fois à Dubaï. Donc, principalement, on fait de la protection rapprochée de très gros hommes d'affaires, généralement des financiers. Je m'occupais également de faire des audits de sécurité. Alors, les audits de sécurité, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que je devais jauger lors d'un événement, je devais jauger l'efficacité des mesures de sécurité qui ont été placées, qui ont été employées. Et le cas échéant, je devais apporter des suggestions d'amélioration. Ou alors, dans le cadre de la protection d'un VIP, sur des événements très sensibles, définir un ou deux plans d'extraction en cas d'incident majeur. Donc ça, c'était pour les missions à l'étranger. En France, j'ai fait quelques stars. J'ai fait Mila Jovovich, Resident Evil, le cinquième élément. J'ai fait également Kerry Washington, hein, qui a joué dans X-Men. Donc, un super souvenir. Je garderai surtout ce souvenir des collègues que j'ai pu croiser. D'ailleurs, je vais leur faire une petite dédicace parce que ce sont des personnes qui m'ont vraiment marqué. À toi, Goran I. Pliviet, mon ami. À toi, André Kajanis, frérot, dont le professionnalisme n'a d'égal que son physique hors norme. Ce fut un honneur de travailler en ta compagnie. Et à Christian B., ancien champion de kickboxing, d'une humilité sans pareil. Et l'humilité, c'est ce qui fait le propre des grands. Donc, c'était une très, très bonne expérience. Et une fois que j'ai fini cette période en tant que de protection rapprochée, je suis retourné en commissariat. Et là, c'était le début de la fin. C'est-à-dire que je n'avais véritablement plus goût à être policier, puisque j'avais fait ce que je voulais. J'avais réalisé mon rêve. Et je dis souvent que quand ça ne suffit plus de tourner la page, il faut changer de livre. Donc, j'ai fermé ce livre de la police avec une fierté incommensurable. Et cette fierté, elle me suivra jusqu'au mon dernier jour. Et j'ai rouvert celui de coach sportif. Et force est de constater que ce livre me plaît tout autant. As-tu toujours des contacts avec les actuels opérateurs du GAO ? Alors ouais, j'ai toujours notamment un contact avec celui qu'on appelle le survivant de la première promotion. C'est-à-dire que c'est un opérateur qui est avec moi à la naissance du groupe, qui est toujours, spécial dédicace à toi Corbeau, qui me fait l'honneur hein, de me faire participer, ou tout du moins de me prendre comme témoin de l'évolution du groupe, hein, du GAO. GAO qui est maintenant fort de 40 membres, de 40 opérateurs, dispatchés en 4 groupes, avec une évolution au niveau du matériel tout bonnement hallucinante, avec des activités du parachutisme, chose qu'on ne faisait pas. Et je te cache pas que je ne boude pas mon plaisir à voir cet enfant auquel, quelque part, nous avons donné naissance en étant les premiers. Tu vois, cette fierté que j'ai d'avoir participé à l'évolution de ce groupe qui maintenant est reconnu par son utilité et son efficacité. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer encore une fois le travail et l'engagement de tous les opérateurs du GAO. Je suis fier de vous, les gars. Donc voilà, en espérant un jour pouvoir faire une journée d'entraînement avec eux, ça serait génial, ça serait un véritable bonheur. Voilà. Un petit mot en guise de conclusion. Alors, en guise de conclusion, je tenais à rappeler que ces 3 vidéos, ce n'est pas un étalage narcissique de ce que j'ai pu réaliser. Je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas un héros, très loin de là. Ce que je vous ai raconté, c'est l'histoire d'un môme qui avait un rêve.
qui s'est accroché à ce rêve, qui a travaillé dur et qui y est arrivé. Et cette histoire que je vous ai racontée, quel que soit votre domaine d'activité, ça peut être la tienne, ça peut être la vôtre. Donc la vie est trop courte. Accrochez-vous à ces rêves et tâchez de les réaliser. Mais surtout, travaillez. La deuxième chose, c'est que il faut saluer le travail de ces hommes de l'ombre. Il faut saluer cet engagement. Parce que tu ne peux pas faire preuve d'une plus grande abnégation que celle de d'accepter de mettre ta vie en jeu au service des autres. Donc que ce soit des collègues du GAO, du GIPN, du RAID, du GIGN, il faut savoir saluer et remercier l'engagement de ces hommes qui œuvrent chaque jour, qui s'entraînent dur et qui interviennent au péril de leur vie pour que moi, pour que toi, pour que vous tous puissions dormir chaque nuit sous cette couverture chaude qui s'appelle la liberté. Donc merci à vous les gars.